J'ai deux vœux que je souhaite voir se réaliser à égalité. Le premier, usage quotidien du numérique, où les outils doivent avoir une présence quotidienne dans la vie de chaque citoyen et qu'elle soit très intuitive et très fluide. Et le second se rapporte aux responsabilités sociétales dans la conception des offres numériques. Aujourd'hui, un entrepreneur en e-santé a deux enjeux majeurs. D'abord, il doit être à l'écoute en permanence des besoins et des préférences des usagers, et ce, dès la conception du service ou du bien proposé. Et ensuite, il doit se mettre en veille sur les évolutions du marché et des techniques. La e-santé est un domaine en constante évolution. Il est primordial que tous les acteurs de la e-santé puissent régulièrement échanger et partager leurs connaissances. Et l'Université de la e-santé a, depuis 17 ans, cumulé une très grande expérience qui a permis d'offrir à tous ces acteurs un espace d'échange riche, pluriprofessionnel, de qualité et surtout à rayonnement international.